Je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de commencer chacune de vos parties avec un maximum d'argent sur le zombie de MW3. Cette astuce, elle se passe avec l'atout pierre tombale. Cet atout est l'un des meilleurs dans ce zombie parce que tout simplement, il va vous permettre de transférer l'inventaire que vous avez actuellement dans la partie numéro 1 dans une prochaine partie numéro 2. Donc ça veut dire que tout l'argent que vous disposez en fin de partie, vous allez pouvoir le transférer dans une prochaine partie grâce à cet atout. Et tout ce que vous avez dans votre sac à dos sera aussi transféré dans la prochaine partie. Alors, pour activer cet atout, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous laisser mourir quand vous l'avez consommé. Et ensuite, vous pouvez quitter la partie. Quand vous allez relancer une partie, vous allez voir qu'une pierre tombale apparaîtra sur la map. Et là, vous récupérez tout votre argent et tout votre loot que vous aviez dans votre sac à dos. Donc moi, ce que je vous conseille, si en fin de partie, vous avez énormément d'argent et que vous n'avez rien à exfiltrer dans votre sac à dos, c'est tout simplement d'acheter pierre tombale, vous laisser mourir, comme ça dans la prochaine partie que vous allez commencer, vous aurez l'argent et le loot que vous aviez lors de votre mort. Ce qui vous permettra de commencer chaque nouvelle partie tranquillement. Alors maintenant, je vais vous expliquer quelques petites astuces supplémentaires. Si maintenant, imaginons que vous avez 50 000 dans votre pierre tombale, et que dans la partie que vous allez faire, vous êtes sûr d'utiliser les 50 000 dollars sans forcément faire plus d'argent. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas récupérer tous les items de la pierre tombale pour la laisser entière. Parce que si vous la cassez, elle va disparaître à votre prochaine partie. Que si maintenant vous laissez juste un item dans la pierre tombale et qu'ensuite vous faites votre partie et que vous quittez directement la partie, à votre prochaine partie, là la pierre tombale réapparaîtra avec les 50 000 dollars et tous les autres items. Par contre, si vous récupérez tous les items de la pierre tombale et qu'elle se casse, quand vous allez quitter la partie, à la prochaine partie, vous n'aurez plus de pierre tombale. Il faudra recommencer la manipulation. Autre chose à savoir, si maintenant vous rachetez l'atout pierre tombale et que vous mourrez, là aussi, ça cassera votre ancienne pierre tombale avec les 50 000 dollars et ça la remplacera avec les nouveaux items et l'argent que vous aurez quand vous mourrez. Donc si maintenant vous voyez que vous faites beaucoup plus d'argent et que vous avez de meilleurs items dans votre sac à dos, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement racheter l'atout pierre tombale et ensuite vous laisser mourir pour faire réapparaître une nouvelle pierre tombale avec plus d'argent et de meilleurs items dans la prochaine partie. Autre chose à savoir, si maintenant vous vous exfiltrez ou que vous faites la dernière mission principale de n'importe quel acte, là aussi votre pierre tombale qui est activée dans la map disparaîtra à la prochaine partie. Donc si vous ne voulez vraiment pas perdre votre pierre tombale actuelle, ne vous exfiltrez pas et ne faites pas l'émission de dernier acte. Alors dernière information, là je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de garder votre pierre tombale en illimité. Ce glitch se passe avec l'hélicoptère de fin de mission de l'acte 1, 2 et 3. Si maintenant vous vous exfiltrez avec ces hélicoptères là et qu'au moment où l'hélicoptère commence à décoller, vous fermez votre application, là vous allez garder votre loot de votre sac à dos, votre stuff et la pierre tombale restera sur la map même si vous l'avez détruite ou même si vous ne l'avez pas détruite. Donc ça va vous permettre de tout exfiltrer sans rien perdre et quand vous relancerez une game, vous aurez toujours votre pierre tombale avec tout l'argent dedans et tous les items à l'intérieur. Alors pour ceux qui sont sur PC, vous pouvez aussi faire cette manipulation, mais ce que vous allez devoir faire quand vous vous exfiltrez avec l'hélicoptère de mission, c'est de faire Alt F4, donc fermer votre jeu, au moment où vous voyez le premier écran noir s'afficher. Alors ce qu'il faut savoir aussi avec ce glitch, c'est que si vous cassez ou que vous ne cassez pas votre pierre tombale, vous pouvez aussi fermer votre application pour récupérer votre pierre tombale dans la prochaine partie. Le seul problème, c'est que si vous fermez votre application sans vous exfiltrer, vous allez perdre votre loot dans votre sac à dos et vous allez perdre tout votre stuff de votre personnage. Donc moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de vous exfiltrer avec l'hélicoptère de mission. À chaque fin de partie, fermez votre application, comme ça vous aurez toujours votre pierre tombale avec tout l'argent dedans, tous les items, et vous allez pouvoir exfiltrer tous les objets que vous voulez sans perdre votre stuff. Donc là, c'est vraiment tout bénef. Alors dernière petite information, le glitch que je viens de vous présenter, c'est nous qui l'avons trouvé en premier sur internet, donc n'hésitez pas à nous mentionner si vous le partagez à votre communauté.